Est-ce que vous voulez voir l'FC L'Assomption remporter ce match? Évidemment, les partisans de Gatineau peuvent penser autrement, mais ici, est-ce qu'on veut que les Bleus gagnent? Même si on les surnomme les Bleus et Jaunes, aujourd'hui, ils sont surtout en bleu. Le compte est de 1-1 après une première demi. Nos jolies demoiselles reviennent pour faire le retour de ballon. On va débuter dans peu de temps. À la 47e minute, le FC Gatineau a souffert un deuxième carton jaune, cette fois-ci au numéro 21, Damien Rollon-Mérette, carton jaune à la 47e minute pour FC Gatineau. Yeah.
Oh, il l'a tué.
Des changements ont eu lieu à la 54e minute. Tout d'abord, pour Gatineau FC, nous avons Vedran Foustar, numéro 10, qui est entré, a remplacé le numéro 17, Maxime Daigle. Et également, au même moment, Maïcha Kalonda, numéro 3, est sorti, remplacé par le numéro 21, Yannick Kobe. Oui, oui, oui.
Oh,
Nous avons eu un changement pour le FC Gatineau à la 68e minute. Le numéro 23 est entré. Il s'agit de Amin Smile. Et le numéro 8, Simon-Pierre Côté, est sorti. À la 71e minute, on a une substitution pour le FC L'Assomption. Le numéro 19, Santigui Tunkara, rentre en remplacement du numéro 27, Felipe Ruiz. Et par le fait même, à la même minute, on a malheureusement un carton jaune pour L'Assomption. Fred Mougen se mérite un carton jaune à la 71e.
À la 79e minute, un carton jaune à Gatineau FC, le numéro 10, Vedran Foustar. Décerné au numéro 17 du FC L'Assomption à la 82e minute, Alex Julianello. Et on a une substitution de Gatineau en même temps. On a sortant le numéro 18,
Anthony Chiepala et est remplacé par le numéro 5, Anthony Vidal. Oh, God.
Le quatrième officiel a décrété 3 minutes de temps additionnel à cette demi, 3 minutes de temps supplémentaire. Match mouvementé, deux cartons étaient décernés, un jaune à Fred Sans Souci, numéro 15 de l'Assomption, et un rouge, éjection du match, au numéro 18 du Gatineau FC, un rouge pour Anthony Chipala, à la 92e minute.
Et c'est la fin du match FC L'Assomption 1, Gatineau FC 1, match nul en cette fraîche soirée de la mi-octobre. Prochain match du FC L'Assomption présent ici sera dans 3 semaines, le 19 juillet. Et là, s'il ne fait pas au moins 20 degrés, je vais crier. Jamais se croirait, milieu de juillet, ça va pas être mieux que ça, mais enfin. Donc, on vous convie au prochain match local du FC L'Assomption, ici même le 19 juillet, un vendredi soir, 19h30 comme toujours, où cette fois-ci, on affrontera le FC Brossard. Et à tout le monde, bonne fin de soirée.